Eh bien, bonsoir à tous, ici Dara Menel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais parler de deux choses. Donc la première, qui sera un peu plus courte que la deuxième, qui est que justement, on a une alliance école. Si vous regardez en haut dans le chat, c'est FRB. Donc l'alliance principale étant anciennement FR est devenue FRA. Et là, je suis dans l'alliance FRB. Je suis, on va dire, descendu dans l'alliance école, justement pour aider un peu, donner des conseils pour qui voulait. Ce que d'ailleurs Phoenix, notre chef justement de FRA, avait proposé, avec justement moi qui ai accepté. Je pensais que c'était une bonne opportunité. Donc, comme je l'avais dit, un petit moment, je pensais que ça allait arriver on va dire... très vite cette alliance secondaire, mais j'ai été surpris du fait que pas mal de personnes ne pensaient pas que ça allait arriver. Mais au final, j'avais en quelque sorte raison. Une alliance secondaire était en quelque sorte nécessaire, on va dire. Enfin, pas forcément nécessaire, mais on peut voir que, comme je vais le montrer d'ailleurs là dans les clips, il y a plusieurs alliances, notamment les Sexa avec qui on est allié, qui ont une alliance école, qui sont les Sex-B, qui sont d'ailleurs très très forts pour une alliance école, et d'ailleurs les Sexa qui sont, même avec une alliance école qui est 13e, sont bien meilleurs que nous. Alors bien meilleurs, je ne sais pas exactement à quel point, mais ils sont meilleurs que nous, ce qui est assez impressionnant pour une alliance qui a justement une alliance école qui est numéro 13. Donc... pourquoi est-ce qu'il y a eu une alliance école? Déjà, alors, j'en ai discuté avec avec Phoenix, justement, c'était une ancienne alliance qui voulait fusionner en quelque sorte avec l'IFR, mais elle était un peu trop faible pour que ce soit en fait intéressant pour les FRA. FRA, je vais essayer de dire FRA maintenant. Donc du coup, ils l'ont passé justement sous, en quelque sorte, notre tutelle, et sont devenus les FRB. Donc pourquoi... est-ce qu'en quelque sorte, une alliance école, c'est primordial, c'est intéressant? Alors déjà, avec une alliance école, on est allié justement à une alliance principale qui se doit d'être relativement forte. On a justement certains joueurs de l'alliance FRA qui viennent dans l'alliance FRB pour aider, comme moi notamment. Et ça, ça permet à des petits joueurs d'avoir des joueurs, on va dire, de plus haut niveau, pour les aider à progresser, à leur donner des conseils, ouvrir des bases, tout ça. Comme on pourra le voir d'ailleurs, on a essayé d'ouvrir quelques bases, mais ça pose encore quelques problèmes, les niveaux sont encore un peu faibles. Mais c'est pour ça que je vais justement dans la deuxième partie de la vidéo donner des conseils pour progresser avant le niveau 15, et je ferai ensuite une autre vidéo pour progresser après le niveau 15, parce que c'est pas du tout le même fonctionnement. Donc, commençons directement par... par ce progrès avant le niveau 15. Donc on va se concentrer d'abord dans un premier temps sur les recherches, donc dans votre arbre de recherche. Donc si on va dedans, je vais le faire en même temps que vous, j'ai mes petites notes. Donc si on va dans les recherches sous combat, alors la première chose qu'on peut améliorer, bien sûr, c'est la densité de coque. Alors je reprends depuis le tout début, parce que voilà, c'est avant le niveau 15, jusqu'au niveau 15 à peu près. Donc je recommence depuis niveau 1 jusqu'à 15. Et ça vous permettra aussi de voir qu'est-ce qui est intéressant d'upgrade et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc on commence avec la densité de coque, alors qui est l'une des choses, une chose très intéressante. Ça, je ne peux que recommander de l'upgrade. Tout simplement parce que la coque, on en a besoin, comme les shields, ça fait partie intégrante du vaisseau et ça rapporte pas mal de points. La plupart des personnes veulent progresser en puissance, donc la densité de coque rapporte pour quelque chose qui est au tout début beaucoup de points. Ensuite, si on continue de monter, on débloque voilà la corvette d'Orion, c'est très intéressant aussi. Mais on arrive directement sur la modulation des boucliers. Donc densité de coque, modulation des boucliers, c'est les deux premières choses que je pourrais recommander dans ce petit arbre des 6 premiers upgrades. On a la tactique de combat, mais ce n'est pas vraiment très intéressant pour le début, et les tactiques défensives qui sont elles aussi pas autant intéressantes que la densité de coque et la modulation des boucliers. Ensuite on arrive sur cet arbre à 3 recherches, donc l'efficacité des boucliers, cloison renforcée et manœuvre d'évasion. Alors je dirais que la plus intéressante c'est l'efficacité des boucliers. Pourquoi? Parce qu'on est sûr que voilà, les boucliers vont prendre de toute façon les dégâts.
Alors que voilà, la manœuvre d'évasion, on n'est pas aussi sûr que le vaisseau évite en fait. Donc je commencerai par l'efficacité des boucliers, ensuite la cloison renforcée, puis la manœuvre d'évasion. Donc ça, c'est les trois que je pourrais recommander. À n'importe quel moment, il faut les augmenter. Ensuite, on débloque recherche de vaisseau G2, donc c'est un checkpoint qui est primordial par lequel il faut passer, donc à augmenter bien sûr, déblocage du Findra augmenté. Et ensuite, il faut faire attention, ici on a le ciblage chirurgical et l'exploitation des points faibles. Alors il faut faire attention, pourquoi il faut faire attention? On a l'impression que ça pourrait être intéressant, on a l'impression que ça pourrait être intéressant, et ça ne l'est pas autant que ce qui vient après. C'est pas autant intéressant parce que justement l'exploitation des points faibles, ça augmente les dégâts de coups critiques. Les dégâts de coups de critique, eh ben, ça a une part de hasard. Ça a une part de hasard et en plus il faut mettre ça avec un équipage spécial. Si je me trompe pas, l'équipage de Nero qui a un boost sur les critiques. Ah non, c'est le feu peut-être, je ne sais plus, mais voilà, il y a une part de hasard là-dedans. C'est pas vraiment quelque chose que je pourrais, que j'essayerais d'augmenter au début. Et pareil pour le ciblage chirurgical, c'est encore en coopération avec l'exploitation des points faibles, mais voilà, c'est encore du hasard. C'est encore du hasard. Alors que les trois suivants, ça augmente vraiment. Ça a vraiment un impact, car ça, justement, bah, les tirs perforants, excusez-moi, augmentent directement. Il n'y a aucune, voilà, à part s'il loupe le tir. Parce que l'autre a justement augmenté sa manœuvre d'évasion, ce que j'ai dit qu'il ne faut pas augmenter, ben, logiquement, on a quasiment, on va dire, 90% de chances que ce soit applicable. Matrice de ciblage, pareil. Pénétration du bouclier, pareil. Et ces trois-là, je le répète, hein, beaucoup de personnes, enfin beaucoup, quelques personnes, voilà, dans l'Alliance m'ont demandé pour progresser. Et ce qu'ils entendent par progresser, à mon avis, c'est gagner en puissance plus rapidement. Et ces trois-là, pour moi, c'est ceux qui font aussi le plus augmenter hein, en niveau de puissance. Ensuite, déblocage du Turas, obligatoire. Et là, on arrive sur un truc que, au début, je n'augmentais pas, mais qui, au final, est très intéressant. En préparation, justement, d'un futur Envoy, on sait que voilà, l'Envoy, on le débloque au niveau 16. Pour ça, je vais à peu près m'arrêter. Quand je disais que je m'arrête à peu près au niveau 15, je m'arrêterai voilà, niveau peut-être 14 à 16, sachant que moi, je ne sais même plus exactement. Je n'ai plus les indications hein, à partir de quel niveau on débloque ces recherches. Donc ces trois-là, qui sont l'intégrité de coque, la puissance de feu et la matrice de bouclier, donc pour les vaisseaux de prospection, sont intéressants à partir, on va dire, du niveau. Voilà, je les augmenterais si j'étais vous à partir du niveau 15 à peu près, 15-16 en même temps que tout ce qu'il faudra augmenter pour le déblocage du Tala, qui est juste après, niveau 14. Donc pourquoi est-ce qu'ils sont intéressants? Parce que ça va permettre de booster votre futur Envoy. Et ce futur Envoy va vous permettre de pouvoir attaquer des bases. Les bases qui seront votre principale dire, ressource. Hein. Il faudra arrêter de miner, il faudra attaquer des bases. Comme vous pouvez le voir, hein, tous les millions que j'ai, c'est seulement en attaquant des bases. J'ai arrêté de farmer. J'ai arrêté de farmer, totalement arrêté de farmer. Je ne fais que attaquer des bases. Il n'y a que ça de, y a que ça de vrai. Voilà, on va dire ça comme ça. Ensuite, déblocage du Tala, onde de choc cinétique et décharge énergétique. Donc, c'est intéressant pour. Voilà, juste quand on débloque le Tala. Parce que, alors, si je me trompe pas, le Tala, c'est une décharge énergétique qu'il faudrait améliorer. Si je me trompe pas, il faudrait que je regarde. Je mettrai ça un texte encore une fois. Donc, ça serait plutôt intéressant de l'upgrade lui si on débloque le Tala. Vu qu'on vient de débloquer le Tala, bien sûr. Et ensuite, les trois blocs, on va dire encore une fois, donc intercepteur d'évasion, barrière d'explorateur, cuirassé fortifié. Là, c'est intéressant plutôt d'augmenter le cuirassé fortifié, comme on vient de débloquer le Tala. Donc le cuirassé, ben, donc c'est pour le Tala. Arme de cuirassé aussi, c'est pour le Tala. Et ça, c'est vraiment ce qui est plus intéressant à débloquer. D'ailleurs, moi qui vais bientôt débloquer le Kumari, je vais continuer d'augmenter ça. Et je vais un peu, voilà, je vais pas autant améliorer les autres parce que le Kumari est un cuirassé et que ça va s'appliquer seulement sur le cuirassé. Et pareil pour le Tala, ça va s'appliquer seulement sur le Tala. Comme par exemple ben, l'explorateur, ça va. Alors je sais plus exactement les petits, mais c'est probablement sur des. Ah, il me semble que voilà, le Turas est un intercepteur.
Alors c'est un explorateur, voilà, donc explorateur, ben ça va augmenter le Turas, et intercepteur, ben ça va augmenter le Findra. Voilà, c'est ça. Et ensuite, on débloque le Kera, recherche vaisseau G3, donc voilà, c'est à peu près tout pour les recherches. Donc concentrez-vous vraiment, ce qui est intéressant, c'est ces arbres de recherche à 3. Ils rapportent beaucoup de points, les arbres de recherche à 2 ne rapportent pas beaucoup. Ils sont souvent basés sur le hasard, ça c'est quelque chose que j'ai pu remarquer. Ensuite, si on va dans la station, donc recherche station, je vais essayer de me dépêcher un peu parce que la vidéo est longue, hein. Mais je pense qu'il faut quand même prendre du temps là-dessus, sinon je rajouterai un peu, peut-être que la vidéo durera 20 minutes, mais je pense que c'est assez important d'en parler, de passer à travers ces recherches. Donc on commence avec la vitesse de construction, ça je peux la mettre directement en lien avec la chaîne de montage. C'est deux choses qui sont pas vraiment intéressantes pour le début, pourquoi? Parce que vous savez comment marchent les pourcentages. Les pourcentages s'appliquent justement, par exemple, si je sais que ma construction va me prendre 100 minutes, donc 1h40, et que j'ai 10% en plus de vitesse de construction, et ben je vais directement passer à 90 minutes de construction au lieu de 100. Donc ça paraît intéressant en soi, mais 100 minutes, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup du tout. En 100 minutes, voilà, t'as peut-être 10 aides qui vont faire que tu gagnes déjà peut-être 20 minutes. Donc c'est-à-dire que tu as déjà en fait la même chose avec les aides qu'avec cet upgrade de vitesse de construction. Et en plus au final, plus tu augmenteras, plus tu verras que ça va coûter des ressources rares. Enfin rares. Dans le sens, moi ça me coûte du gaz 3 étoiles. J'en ai 196 et ça m'en coûte 50. Donc c'est plutôt pas mal, hein. C'est pas mal cher pour un boost de seulement 8% à ce niveau là. Donc c'est vraiment des choses qui sont pas intéressantes au début, parce qu'au début tu as des petits temps de construction. Si tu as 100 minutes et que tu as un boost de 10%, au final tu auras 90 minutes. Alors que si tu attends un peu, que tu as 300 minutes, tu attends un peu de monter dans les niveaux, tu dois mettre quelque chose 300 minutes et que tu as un boost de 10%, tu gagnes directement 30 minutes. Et là, ça devient plus intéressant d'upgrade vers la... Dès que tu sens qu'en fait, ça devient un peu lent, les améliorations. Ça sert à rien d'augmenter directement dès le début. Après, voilà, c'est des choses qui sont obligées d'être améliorées parce qu'il y a des choses en lien plus tard qui vont faire que tu dois être obligé d'améliorer cette vitesse de construction. Donc à ce moment-là, oui, il faut l'améliorer. Chaîne de montage, pareil, ne pas l'améliorer. Ensuite, on a la fusion du parstyle, fusion du tritanium, stockage du parstyle, stockage du tritanium. C'est des choses que je pourrais conseiller pour les bas niveaux. Surtout la fusion du parstyle, la fusion du tritanium. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque ces recherches seront en cours de recherche, tes générateurs de parstyle de tritanium pourront continuer de miner. Ils pourront continuer à générer du parstyle du tritanium. Alors que si tu améliore ton générateur de parstyle ou tritanium, pendant l'amélioration, ils ne pourront pas continuer de miner. Et en plus, tu en améliores que un. Alors qu'avec la fusion du parstyle, tu en augmentes, c'est un effet sur les deux. Donc ça, c'est quelque chose que je pourrais conseiller au début comme intéressant. Diagnostic de réparation, la même, au début, les temps de réparation sont tellement faibles que ce n'est pas intéressant. Donc astronautique, qui est un checkpoint obligatoire, donc à débloquer. Raffinerie obligatoire à débloquer. Ensuite, fusion du dilithium, stockage du dilithium. C'est par contre à ce niveau-là quelque chose que je ne peux pas trop conseiller d'augmenter. C'est pas que il faut pas l'augmenter, mais c'est que en fait, au final, le dilithium est tellement lent à miner que augmenter la fusion du dilithium n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant du tout. Ensuite, je dirais plutôt qu'il faudrait augmenter les défenses de la station. Ça a un boost de 10%, comme on peut le voir, mais ça a un boost de 10% sur le bouclier, l'armure et l'esquive de la station. Ce qui veut dire que c'est comme si tu avais un boost de 30% dans tes stats. Et ça, si vous cherchez à avoir des points, ça rapporte beaucoup de points. Beaucoup, beaucoup de points. Ensuite, tu arrives sur la plateforme de défense. C'est la première chose que tu dois mettre, si tu peux le mettre. Ça va te permettre de débloquer tes plateformes de défense. Et les plateformes de défense, il faut savoir que quand tu les construis, ça rapporte énormément de points. Énormément de points, si c'est ce que tu recherches, bien sûr. Optimisation des recherches, encore une fois, je ne le conseille pas. Ça coûte beaucoup de dilithium. En tout cas, à mon niveau, ça coûte beaucoup de dilithium. Et les recherches ne sont pas si chères que ça à votre niveau. C'est quelque chose sur lequel il faut un peu attendre.
Suivi donc tout en haut de l'arbre de recherche, on a les réparations et les protections. Alors, je peux que conseiller d'augmenter peut-être les réparations. C'est intéressant à ce niveau-là. Hein, comme on a, voilà, tu as un peu augmenté de niveau. Les réparations deviennent intéressantes. Encore une fois, il faut prioriser les réparations. On peut voir qu'en premier, c'est les réparations d'intercepteur. Et l'intercepteur, c'est tout premier que tu as débloqué. Donc le Findra, si je me trompe pas. Ou le Turas, je ne sais plus. Ouais, c'est le Findra, ouais, c'est ça. Et donc forcément, le Findra, comme il est plus bas niveau que notamment le Tala, eh bien, il a un temps de réparation moins lent. Donc c'est pour ça que si j'étais toi, je rusherais un peu toute cette branche du haut pour arriver à la réparation du cuirassé, qui est pour moi la plus intéressante, car à partir du Tala, c'est là que vraiment les temps de réparation vont commencer à prendre un peu de temps. C'est là que voilà, tu vas plus pouvoir attendre voilà, justement 10 minutes et dire voilà, bam, il est réparé mon vaisseau, je peux relancer. Avec le Tala, tu vas voir que ça va prendre un peu plus de temps. Et avec ça, il y a la protection du Tritanium, du Parstyle, du Dilithium. C'est encore une fois quelque chose que je ne te conseille pas d'améliorer. Pourquoi ? Parce que ces protections-là, déjà, ont un boost qui n'est pas énorme. C'est-à-dire que tu n'as pas protégé vraiment plus que tes ressources. Et de plus, si tu veux vraiment être efficace dans tes défenses de ressources, voilà, si c'est vraiment quelque chose que voilà, tu veux, tu ne veux pas utiliser de bouclier, et bien au final, hein, elles n'ont vraiment aucun impact. Elles n'ont vraiment aucun impact. Si j'étais toi et que je voulais défendre ma station et mes ressources, j'utiliserais un shield tout simplement. Dès que tu commences à avoir un peu de ressources, mets un shield. C'est aussi simple que ça. Et finalement, si vous essayez de gagner en puissance, voilà, toute la branche du bas qui sont boucliers de plateforme, coques de plateforme et armes de la station, ça va rapporter beaucoup de points. Mais là, on est à peu près déjà dans le niveau 16. Comme je peux le voir, il y a le déblocage de l'Envoy juste au-dessus. Et vous allez voir que donc dans la prochaine vidéo, j'expliquerai un peu tout ce qui est un peu après le niveau 15. Car on entre dans un nouveau monde, si j'ose dire les choses comme ça, on entre dans un nouveau monde qui est le monde voilà, justement du PVP, de l'attaque de base, tout ça. Et là, c'est vraiment différent. Mais dans cette partie-là, si j'étais vous, je me concentrerais seulement sur une chose, c'est ce déblocage de l'Envoy. Car cet Envoy va vous changer la vie en fait. Et si vous arrivez à vous trouver une alliance, voilà, je vais faire la petite pub notamment comme l'alliance FRB. Voilà, vous êtes petit niveau, vous venez de débloquer l'Envoy, vous pouvez pas vous ouvrir de base parce que vous avez un Tala. Et le Tala pour ouvrir des bases, ça reste compliqué, même si c'est un cuirassé qui est lourdement armé, ça reste compliqué d'ouvrir des bases. Et ben nous on a la possibilité de vous ouvrir certaines bases niveau alors pour ma part 17. Et ça vous allez voir que ça va vous changer la vie, et c'est pour ça qu'il faut mettre ça, déblocage de l'Envoy, il faut le mettre avec alors c'est quoi, l'intégrité de coque, la puissance de feu, la matrice de bouclier du dans la section recherche combat, ça va vraiment vous aider à pouvoir passer des bases qui sont un peu plus grosses. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous avez pu voir que je me suis attardé un peu que sur les recherches, mais je ferai peut-être dans la prochaine vidéo, juste en speed, la partie justement que j'ai pas faite, qui est la construction des bâtiments, tout ça. Et c'était tout voilà pour cette vidéo. J'espère que ça a pu vous aider, aider notamment les personnes qui sont en dessous de niveau 15 et qui souhaitent vraiment atteindre ce niveau 15. Dernier conseil que je peux donner, débloquez votre Tala. Essayez de débloquer au plus vite l'Envoy. Mais le plus important, c'est qu'avant de passer niveau 15, vous ayez upgrade tout dans la station. Alors pas forcément les recherches, mais tout ce qui est voilà, générateur, tout ça, dans la station, raffinerie, chantier spatial. Ça va vraiment vous changer la vie, parce que vous verrez que dès qu'on passe niveau 15, il suffit qu'on oublie de mettre un shield et vous faites vider toutes vos ressources. Et le fait que vous ayez augmenté tout ça, ça peut vous aider justement à dissuader, car vous avez une puissance qui est plus plus élevée. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, c'était Daramenel sur Star Trek Fleet Command.